Saint-Etienne privé de Clément, out pendant 6 mois. Absence également de Brandao, qui n'était pas opérationnel. Et puis Mignot. Pour le reste, eh bien, c'est Guy Lavoggi qui va en fait officier seul devant la défense. Voilà, effectivement, Guy Lavoggi sera l'homme qui va remplacer Jérémy Clément. Il avait déjà joué, hein, Guy Lavoggi, face à Nancy au poste de récupérateur. Bonnemère sera plutôt sur le côté gauche et Lemoine sur le côté droit. Molo Gradel qui a été préféré à Amouma sur le côté droit. Pierre Aubameyang toujours, lui, titulaire au poste de centre-avant. Bayal, Perrin, Brison, Clair et Ruffier dans le but. Et le coup d'envoi fictif sera donné par Digi Blue, Miss Blue plus exactement, puisque c'est la journée de la femme. Et elle a animé l'avant-match. Voilà. Et le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes par l'AS Saint-Etienne, qui n'a plus gagné ici même, en terre bretonne, depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Les deux dernières rencontres ici se sont soldées par 2 matchs nuls.